l'envie du président, l'envie du coach, de tout un staff. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné envie de venir. Chaque année, il y a eu des discussions. Après, voilà, il y avait des envies de coach qui n'étaient pas. Le coach n'était pas très chaud pour moi et cette année, le coach Courbis a donné l'accord, donc c'est ce qui a facilité aussi les négociations et qui m'a donné envie de venir parce que c'est très important d'avoir un coach qui a envie de vous, donc ça a permis de faire mon choix. C'est un club aussi qui est jeune, on le voit. Juste à côté, le centre est tout neuf. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le centre, ça m'a conforté dans mon choix. J'ai vu ça, j'étais très heureux d'avoir essayé ici. Et puis c'est vrai que sur les matchs que j'ai joué ici, pour moi, c'est pas trop mal passé parce que j'ai marqué. Mais j'espère qu'on va marquer du côté de Montpellier. Non, c'est vrai que c'est une équipe qui était difficile à jouer. Voilà, il y a de bons joueurs qui passent par ici et je pense que c'est un club qui va monter en puissance. Avec le discours qui m'a été présenté, je pense qu'ils veulent repartir au plus fort et avec le discours qui m'a été présenté, j'espère que c'est parti pour une bonne saison en tout cas et moins de galères que l'année dernière. Je veux dire, partir sur les années précédentes où ils ont fini champion, ça va être compliqué d'être champion. Comme vous l'avez dit, la saison dernière a été compliquée pour Montpellier et essayer de finir dans un meilleur classement. Giroud a fait son taf, j'ai pas du tout le même profil que lui. Moi, je suis dans ma continuité j'ai découvert la Ligue 1 avec les Lyon et j'ai progressé chaque année et là, je compte encore progresser. Je viens pour apporter mon vécu ici et comme je l'ai dit, pour pouvoir progresser et être le plus décisif possible.